Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Gouvernement haïtien a accordé des charges à tout ancien ministre qui était là depuis 1991 jusqu'à arriver l'année 2017. Ministre Sayo, pas ça qui sorti en bon côté. Gouvernement pas passé devant Parlement haïtien, même le gain seulement 10 sénateurs qui dans travail là. Yon ti avion crasé dans localité Beau Séjour, 6 moun mouri, tous les 6 moun sa ou te trouvé en dans ti avion qui te sorti Port-au-Prince qui t'a pralé dans ville Jacmel. D'après information que t'a venu nous, pilote yo ta deux pilotes dominicains. Yon policier 28e promotion sauvé de justesse men neg a me 400 marozo nan kwa de bouquet. Policier sa dit c'est grâce à bon pied là qui fait le mettel dehors. Nous va le déraper avec un détail information qui domine surtout avec conditions temps, puisque week-end non, nous connaissons gagné un cyclone Elsa qui était annoncé sur le pays d'Haïti. Finalement, nous tout était well de supposé passer sur grand sud là, mais trajectoire cyclone n'a pas déjà viré. Il prend plus l'an mai, tant le frapper côté sud là, mais il devient affaibli tout, il sorti dans catégorie 1, tourné dans tempête tropicale. Toute force qui était passée sous la mer, mais ça va t'empêcher qu'elle fait gros dégâts et sous côte sud paysan, côté le crasé, banane, jardin, il a trié. Mais jusqu'à présent, pour gagner aucun bilan qui sorti bon côté protection civile sous ça qui t'a passé pendant passage et mauvais temps ça, elle ça sous pays d'Haïti. Comment t'en as pied aujourd'hui, hein, puisque après mauvais temps, c'est beau temps que paraît, eh bien, soleil a levé matin. Et comme on a pillé pendant toute journée sur tout département de la Tibonite, là, on a regardé tout ça avec Christette. Bonjour Christette. Bonjour la jeunesse haïtienne, bonjour à chaque monde qui déjà partagé. C'est toujours un devoir pour nous connecter à chaque monde ensemble dans un caractère clan pour aujourd'hui, lundi qui c'est 5 juillet 2021. Nous levons matin avec plusieurs départements bombardés avec nuages. Mais pendant la journée, il y a un pile nuage qui a pu tirer croyant, mais il y a un vent tout cap soufflé. Il y a une possibilité si activité la pluie sous région sud avec tendance dans fin après-midi avec voyage avec passage tempête Elsa. Entre-temps, nous gagnons une possibilité tout pour nous lever matin à tirer un cap de nuage dans Port-au-Prince. Température a brûlé là jusqu'à 37°C par la journée 1, il a tombé la nuit là, jusqu'à 25°C en moyenne. Il y a possibilité tout, dans quelques côtés, dans Port-au-Prince, pour nous avoir ce soir, qui activité la pluie, dans fin après-midi, en tout, à Soya. Pour la meilleure, c'est précaution, prudence, zone côtière nord, comme la grave, mais par rapport avec zone côtière sud, par rapport à un cap soufflé, toujours gagner interdiction jusqu'à nouvel ordre. Pour soleil, il y a plus de matin à 6h18, il y a plus de 8h20, c'est demain matin, à 6h19. C'est là, nous mettons un bout dans ça qui vient pour être dans ça. Et on a pour mettre l'équipe auditeur, auditrice, nous souhaitons pas. Donc, bon lundi, avec une très belle semaine positive. Rendez-vous pas ma auditoire pour me faire informer. C'est pas le coup de même à 10 qu'à venir là. Bonne journée, bonne semaine, messieurs. Bonne journée, Christinette. On a porté avec des tas d'informations. Yo, dans la ville, en Gonaïve, un week-end qui bat en pile la peine. Gagné Claude Dessalines, ancien propriétaire niché, qui habitué vendre produits cosmétiques dans Rue Liberté, qui pas trop loin. Mémorial là, mourit après elle t'est senti en tête fait mal. D'après information qui t'a venu de nous, nous pas en mesure pour nous connaître qui exactement ça que t'as la cause qu'elle mourit. Tout simplement, c'est hier dimanche 4 juillet, à nouvelle Lamora, couru et tout le ville Gonaïve qui la gros tristesse la caille tout le monde qui était proche li client lui qui était habitué à l'acheter dans meni dans business qu'il te gagne. C'est un jeune garçon qui était croyé dans travail, il était choisi créer propre business li. Malheureusement, il perdit la vie li bien bonheur.
y a moun qui te fait connaître que te croisil nan samedi soir nan ville Gonaïve côté ou te même getan parlé avec li n'a fò konnen que Claude Desalines mouri matin dimanche là nan l'hôpital HPG li te sentil pas bien sorti dans l'hôpital lan matin li rive bon 6 mètres là li pa ka continuer en marque du machine li pa ke machine nan li ta rele moun la kay li d'après information qui t'a vinn joine nous. Eh bien, monsieur arrivé à l'hôpital là, li mouri. Là moi ça fait pile monde mal, surtout monde qui était habitué avec Claude Desalines. N'apporter dans l'autre point dominé actualité en fois ça n'a quitté ville Gonaïve, nous pour aller dans ville Léogane puisque gagné un crash, qui t'a veut dire un accident avion qui t'a fait dans ville Léogane samedi qui s'est passé là dans moment et un peu le monde t'a préparé pour un mauvais temps. Son petit avion qui t'a quitté capitale la Port-au-Prince dans département l'ouest pays d'Haïti pour aller dans ville Jacques Mel qui trouvait dans département sud-est là dans après-midi vendredi 2 juillet plutôt au lieu de samedi. Et bien petit avion s'est écrasé dans localité Beau Séjour, gagné 6 monde qui t'a victime parmi eux. Dans premier temps, yo parlé de 4 morts, 2 blessés, mais 2 autres blessés après succomber dans l'hôpital. Donc 4 moun mouri sur le champ, 2 blessés graves qui t'a pral mouri puis devant. C'est ça qui a enregistré dans crash petit avion ça qui était sorti dans après-midi 2 vendredi et 2 juillet dans Port-au-Prince qui t'a parlé dans ville Jacques Mel, il fait accident dans Léogane, commune département Nord-Ouest là. Petit avion ça qui gain plaque N8694N, sorti avion qui assure transport plusieurs moun sorti Port-au-Prince à destination ville Jacques Mel dans sud-est pays d'Haïti. Il était laissé capitale là très tard, l'écrasé dans localité qui portait nom Beau Séjour là dans cité Anacaona, selon première information qui t'a venu joindre. Jusqu'à samedi matin, autorité yo potko capable prononcer yo sou cause qui t'a fait ti avion ça écrasé. N'a mentionné que exactement yo mois, soit 30 jours depuis gang armé qui occupait entrée sud de capitale là, notamment Matissan a agoumen jour ak nuit. Affrontement ça a empêché que l'on soit moun lié à passer dans route ça à pied sous motocyclette ou bien sous machine. Donc, en plus, le monde était utilisé et voit avion pour aller côté ou pour aller à soit dans le grand sud là ou bien dans le département sud de ça. Eh bien, si avion ça a crasé, si ce monde mourit, information fait qu'on est que deux non pilotes qui ont piloté ti avion ça, c'est un dominicain que y est. N'a pas allé dans sa gueule pour avec dossier insécurité en fois ça dans zone quoi des bouquets groupe gang 400 maozo a continué à frapper et fort côté li la continue à faire victime sous victime et il pas quitté aucun espace pour mon fonctionner. Gagné un policier qui chappé de justesse et en bas main groupe gang 400 maozo, c'est un policier qui fait maintenant et qui sorti dans 28e promotion et groupe nèg examio té attaqué li. Et bien policier 28e promotion et qui t'a couru une motocyclette à dimanche 4 juillet dans Croix des Bouquets et qui affecté dans police frontalière. Son jeune policier que tout le monde connaît sous nom Gache les Georges li sauvé de justesse des attaques côté que nèg 400 maozoyo et fait sous li, li prend plusieurs projectiles, li prend deux dans jambe alors que il t'a essayé ouais s'il était capable échapper avec la situation. Youn nan malfoyo sorti gravement blessé nan niveau thorax lors échan coup de zam parce que monsieur était mesuré avec tout et gagne information qui t'a fait quoi que état santé monsieur t'a pas été antigen stable et ville t'a hors danger. Yo te prend non centre hospitalier dans capital là pour te recevoir soin que cali nécessité. Et puis gagne gros nouvelle là qui tombé hein, c'est hier soir en pile information et t'a circulé sur réseaux sociaux comme dit le gouvernement t'a pris pour t'a choisi un premier ministre et t'a pas le gain arrêté qui sorti, mais finalement tout le monde t'a attendre choix ça rien pas sorti. Au contraire, gouvernement haïtien a décidé d'accorder des charges à tout ancien ministre et ancien premier ministre qui était servi pays pendant 1991 jusqu'à 2017. Un dossier que c'est seulement parlement qui gagne autorisation pour le faire. Cependant, gouvernement avec Jovenel Moïse dans tête libre prend décision faire carrément. Et ancien premier ministre avait quitté servi République là sorti 7 février 1991. Privé jusqu'à 7 février 2017, yo gagne pleine et entière décharge, yo pas comme qui dirait moun sa yo pas gagne rien que yo reproché yo. Pendant tout temps yo t'ai passé le t'a dirigé
une réunion qui fait à l'extraordinaire à dimanche 4 juillet en conseil des ministres décidé pour bailler plein et entier des charges à tout ancien premier ministre, à tout ancien ministre qui est servi République là, et qui a un rapport favorable d'après ça et responsable fait qu'on est décision à tes points dans le conseil des ministres qui était réuni à l'extraordinaire à dimanche là. Non tweet que nous avons joindre qui était sorti en bas mais Renal Liberis qui te mette le bénéficiaire de décision sa yo, préalablement, yo gen yon rapport d'audit favorable Cour supérieure de compte et compte administratif, qui précise d'après sa tweet là, précise d'après conseiller président spécial président république là, ancien fonctionnaire de l'État sa yo bénéficie de décision, nan moment, te gen apport désignation au premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Parmi yo, gen yon Laurent Lamotte nous rappelle qui pas capable d'inscrire dans l'élection à cause que Cour supérieure de compte pas de balle de charge favorable. Et comment fait jodi an, li joine déjà favorable, c'est gros question en pile moun a posé. 5 moun joine arrestation dans localité Charrette qui c'est 6e section commune Saint-Marc à dimanche 4 juillet 2021 en coordonnateur Kazek 6e section Arsène Guillaume fait connait arrestation ça a fait dans cadre conflit qui la cause en pile cartouche tiré dans zone là mettez ak mesene sa yo qui te vinn dans troubler moun k'ap vive dans localité Charrette là. Nous parler vite autant des déclarations coordonnateur Kazek 6e section Arsène Guillaume dans micro collaborateur nous Milsa Maréus. Commissaire gouvernement avec JDP avec et la police est arrivé faire intervention côté qui a arrêté 5 moun et moi même immédiatement qui m'ai informé de situation moi j'ai dirigé tout droit dans commissariat côté que pour me connaître de qui en est et les moi arrivé moi joindre JDP a. Moi, je viens et accompagné avec greffier lui et puis la police côté que t'as performé me débat et moi-même tombe dans le palais avec les monde qui ont été arrêtés et parmi les monde arrêté il y a monsieur Lionel Destinob qui c'est un grand propriétaire et terrain dans Charrette mais monsieur était bail un certain de tout mandat et c'est par la suite que vient un conflit entre propriétaire et mandataire qui vient faire que vient gagner et bataille côté que gonz monde qui pété plate et c'est monde ça tout qui était lancé mandat des monde qui dit que il était pété Gilio et avec tout gagner et commissaire tout lui-même de mettre action publique en mouvement parce que le dit de temps en temps il y a gros âme capturé dans zone là cause de bagarre conflit terrien. Et moi-même, en tant que Kazek, je suis puissant parce que je suis en autorité civile avec mes vides, que moi-même, je suis pas capable de contrer carré et les gens qui ont des ça. Bon, je ne pas venir avec des âmes. Je ne pas venir avec des âmes. Je crois que je suis venu avec des petits paquets de marijuana et je suis fouillé carré là. Mais moi-même, je ne suis pas connaître si je suis venu avec des âmes parce que je n'ai pas présenté des âmes devant moi. Et peut-être. Coupable, il y a qu'un béo, et ça qui va coupable, je suppose, je viens de liberté. Et, il y a un ancien qui a été arrêté, il vient de liberté, parce que tout le monde estime que monsieur, c'est de passage qu'il était, il n'est pas dans le monde, tout simplement, monsieur, son Dieu, à cause de Dieu, là, la police interpelle monsieur, mais, monde dans la zone, et mais tous les deux camps, ni monde qui est victime, ni monde qui est propriétaire dans la zone, il dit non. Monsieur Pacham n'a pas gagné monde, c'est un monde qui est tout simple, très respectueux, et c'est l'optique ça qui fait que monsieur lui-même devient une liberté, lui, sans perdre tout. Nous avons des déclarations, coordonnateur Kazek, 6e section Charrette là, dans ville Saint-Marc, Arsène Guillaume, qui t'a porté précision dans le micro collaborateur, nous, 1100 Madeus. N'abote dans sa gen pour avec cadeau c'est insécurité environ 60 moun bedi la vie en babal dans zone Port-au-Prince dans espace 8 jours d'après yon rapport fondation J'éclairé mette dehors 40 nan moun sa yo mouri dans cité soleil dans date 25 juin qui sont passé là dans une bataille Genève face avec base Gabriel là dans Brooklyn cité soleil. Marie-Eugène Gilles qui c'est une responsable en fondation J'éclairé parlait de attaque en bodi fait Delma 32 à Christoa qui t'a porté aller 15 moun parmi yo. Yon journaliste Vision 2000, Diego Charles, ak Marie-Antoinette Duclerc, 29 juin passé. En dans des déclarations, yon responsable Fondation J'éclairé, Marie-Hélène Gilles. 25 juin 2021, pour petit, yon quarantaine de moun qui mourit dans la zone Cité Soleil. Comment yon mourit? Moun sa yo, c'est des attaques kap fèt
un groupe qui est les têtes, les forces révolutionnaires, jeunesse, en famille et alliés, qui viennent en tête, Dimitri Idé, alias Barbecue, qui se proche pouvoir politique en place là, contre groupe qui va être tête, lui, non, GPEP, qui vient en tête, lui, Gabriel Jean-Pierre, alias T. Gabriel. Mon ami, ça, nous tous connaissons déjà, et Fondation a déjà dit, nous, il y a bataille pour territoire. Il y a besoin pour plus de territoire, et sous l'autre, pour capable de régler les questions politiques. Donc, c'est comme ça, si Gabriel, il vient à attaquer groupe et Boston qui était, ou même, il mettait tout soldat en position stratégique. Donc, Zambin marié, c'est comme ça, il y a divers soldats dans tous les deux camps qui arrivaient tomber. Dans l'après-midi, G9, dans l'après-midi, même date là, G9 a attaqué GPEP, il a passé par une petite route et qui fait en roche sur les routes. Il a encerclé tout espace de Gabriel là. Donc, il a tiré, si Gabriel perdit soldat et même Jean-Tou, G9 lui-même, il avait perdu environ 15 soldats parmi eux, un soldat important pour eux, que il a été aidé. Donc, divers monde qui blessé, et dans la population civile là, et dans les soldats autour qui blessé. Quitte c'était dans Brooklyn, quitte c'était dans Boston, où j'ai un paquet de cailles que j'ai piqué d'y là-dedans. 26 juin, groupe 400 Marozo a investi la ville quoi des bouquets. Yo piqué d'ife nan un paquet machine qui était devant yon l'église. Yo tiré tout partout avec gros armes fan foi, policiers auraient été cloîtrés en dans commissariat yo. Population livrée à lui-même, bandi a pillé, volé, agressé moun et a marché qu'est propose. 29 juin nan Delma 32, nan après-midi, l'ancien délégué SPN 17 là. Qui c'est un syndicaliste qui n'a et police nationale Jean-Guillaume Giffran, lui blessé en babal dans cadre d'une attaque qui fait côté ces nèg qui a bon moto qui tiré sur lui couru l'hôpital avec lui mouri. Dans la nuit 29-30 juin 2021 dans zone Delma 32 à Crissoi, population civile là subit des attaques armées qui va être pipiti 15 moun mouri. Ou un journaliste Diego Chol qui travaille pour Vision 2000 avec agence en ligne et la République. Ou bien Antoine Duclair qui gagne dans cette limite, qui sont militants politiques qui sont en opposition et qui se porte-parole matrice libération qui mouille là pour là. Et l'autre bord, Fondation Jeclair dénonce le phénomène d'insécurité sans pareil à l'idée qu'a développé en dedans pays. Côté Mouna a tombé tout côté. FJKL fait qu'on est bandit a opéré tout côté sans aucun craintif. Mario Lengil dénonce autorité au l'idée qui pas même capable de résoudre le problème d'insécurité ça, alors qu'il y a parlé de organisation, élection à référendum en dedans pays, surtout pour 26 septembre qu'a venu là. Défenseur de Mouna mandé autorité yo démissionner devant échec yo face avec réalité à jeune jeudi en dans des pour deuxième fois déclaration une responsable Fondation J'éclairé à Mario Lengil. Fondation J'éclairé nous noter avec douleur que bon climat de terreur qui installé dans région métropolitaine. Situation sécurité pays a déjà préoccupé tout le monde mais jeudi à nous remarquer que bon remonter l'insécurité qu'a fait qui beaucoup j'aime dans l'histoire paysanne beaucoup j'aime je ne constate tellement systématique. 30 juin 2021, dans Pétionville, dans Magouamboise, dans Outre-Frère, où j'ai un cadavre. Dans Pétionville, où j'ai un cambis qui mourit, il y a un autre monde qui blessé. Dans Magouamboise, il y a un mécanicien bien connu qui mourit, sur Outre-Frère, où il y a joint deux autres monde qui blaillent à terre. FJKL constate que bandits a opéré en toute impunité. Pas de quelqu'un criminel qui a arrêté ou bien qui a interpellé. Port-au-Prince retourne la porte au crime. Autorité la police avec gouvernement yo, yo failli à mission yo. Pour yo pas capable de protéger la vie moun, yo pas capable de sécuriser bien moun. Et c'est dans le même contexte ça, gouvernement a annoncé, en vertu en voilà, livré organiser élection générale avec tout un référendum. Sans pas y'a quelle mesure qui prend pour sécuriser le pays ya. N'a demandé, comment un candidat pour aller faire campagne sous territoire 400 Marozo? Comment un candidat pour aller faire campagne sous territoire et force révolutionnaire Genève en famille allié, nous avons besoin de parler de rentrer sud Port-au-Prince. Pendant ça, j'ai créé présenté ces partis de Baïfani victimes et nous avons des équipes en place là pour nous prendre conscience de l'incapacité pour diriger le pays et pour tirer les conséquences de l'inconséquence. Nous avons des déclarations Marie-Hélène Gilles qui est une membre fondateur organisation Douamounsa, Fondation J'éclairé qui a préagi sur le climat et sécurité dans le pays.
Il y a un leader parti politique Union là Clarence Renoir qui déplore le climat insécurité qui a développé dans pays qui continue à faire en pile victime dans la population pendant autorité ou pas prend aucune mesure pour camper 2500 qui l'ouvre sous pays. De l'autre côté Clarence Renoir fait qu'on est concernant formation l'autre gouvernement d'après déclaration Edmond Bouchit qui t'a défendre gouvernement devant conseil OEA gouvernement haïtien pas gain capacité pour mettre camper un gouvernement qui est capable de résoudre un problème en crise là. C'est le vrai dialogue dans mitan acteurs politiques pour éviter une autre catastrophe dans le pays. Jean s'est parlé hier dans la capitale là, comme qui dirait t'a gagné un nouveau premier ministre. Entend des déclarations Clarence Renoir. Nous recevons rapport à la sans surprise, rapport EEA, parce que son organisation quand même internationale, les ministères qui travaillent pour la démocratie, il n'y a pas besoin de dire l'autre bagaille que faire élection. Maintenant, il revient aux haïtiens, aux acteurs politiques haïtiens du pouvoir et de l'opposition de juger de qualité environnement que nous avons pour faire élection. Est-ce que la propice pour faire de bonnes élections qui est crédible, qui est démocratique, qui est honnête, qui est sécurisé pour tout le monde qui a participé dans l'élection, ça, candidat, candidat, électeur. C'est à nous-mêmes de juger la situation. Deuxièmement, le rapport a dit, il faut qu'un dialogue entre haïtiens. C'est difficile pour exécuter le rapport, ça, dans trois principales recommandations que je fais à eux, parce que, acteurs, je veux dire, ils sont plus disponibles de l'autre qu'il y a six mois. Moi, je pense que former un gouvernement, c'est pas qui plus facile pour le faire dans le pays d'Haïti. L'histoire montre que nous ça déjà. Si vous voulez former un gouvernement, il y a des gens qui sont toujours parés pour entrer dans n'importe quel gouvernement, à n'importe qui prix, et dans n'importe quelle condition. Par contre, que la pour surprise, si demain matin, nous levons, nous jeunes un nouveau gouvernement formé. Maintenant, c'est avec qui? Et quelle sera la mission de ce gouvernement? Est-ce que le gouvernement, ça va ramener, ça me capable de dire, la concorde entre les forces politiques, économiques, sociales de ce pays? Quand toujours poser question, qui est-ce qui va l'entendre gouvernement, ça? Qui est-ce qui va l'entendre gouvernement, ça? Comme ministre qui va le porter respectabilité, crédibilité, assurance qui va le gagner pour créer une atmosphère de dialogue, de travail en commun et permettre que le pays avance de manière pacifique vers de nouveaux jours. Moi, je me pose la question, en attendant de voir qui fait, pour des jugements sur personne, moi, même penser que, quand vous me répétez, moi, c'est pas plus facile pour moi former un gouvernement du jour à la mer. On en compose d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux. Cela dit, nous-mêmes, dans l'Union, nous pas en train de participer dans aucun gouvernement, même si, effectivement, sur les réseaux sociaux, nous avons un paquet détox qui a circulé, maintenant, des mondes qui sérieux en dans type de gouvernement. Ça, nous, pas là-dedans, nous pas attendre là-dedans non plus tout. Il est condamné à qui passait à côté 15 000 mourir dans la capitale, quand on prince, de manière brutale, sauvage et inhumaine que AXA a opposé. Nous-mêmes, nous pensons que c'est pas par la violence qu'on a résolu nos crises politiques, quel que soit le monde qui est responsable des crimes, ça, ni le monde qui a cherché grand pouvoir, bien ni le monde qui a cherché qu'il y ait des pouvoirs. Nous pensons que la politique capable d'exercer autrement, nous déplorer, nous présenter condoléances à toutes les victimes, et particulièrement à Diego Charles, que nous te connaissons en tant que journaliste, et Antoine Duclerc, que nous connaissons en tant que femme et militante politique, mais aussi journaliste d'ailleurs. Cela dit, nous condamner, nous reprocher, nous déplorer, mais ça paraît que victime n'est pas déjà victime déjà, et peut-être qu'il y a une victime toujours dans le pays, parce que le pays a livré à lui-même, l'autorité n'a pas de contrôle en rien dans le pays. Nous remarquons cependant que la police nationale fait un exploit. En moins de 24 heures, il y a quelqu'un qui est monde qui tue Mondio. Ça a mérité effectivement que la police explique à la population comment elle fait arriver avec rapidité, jouer le monde qui tue Diego Charles avec Antoinette, alors que 4 ans après, il y a un paquet de jeunes qui mourent, dont le gagneur. Il y a un jeune capable de dire qu'ils ont été tués. Le monde qui mourit dans un massacre, qui fait la saline sous Bénère, et ou pas ouais, il y a une diligence pour ta joindre qui est identifié. Et même quand il y a un jeune monde qui identifie, il n'y a pas aucune action qui pose des comptes. Donc, nous pensons que le pays a doué, il y a des dirigeants beaucoup plus sérieux que ça. Il y a un monde qui n'a pas fait politique sale avec toute la vie monde. Il a banalisé la vie monde. Mais nous pensons que nous devons condamner ce type de comportement. On enquête ce magasin qui est sérieux, qui nous fait, qui doit déterminer et qui doit suivre au cours et qui doit révéler de manière précise qu'il fallait joindre la gamine, non pas de manière fantaisiste, pour annoncer des résultats d'enquête de fraîchement de communes qui mourent sans qu'il n'y ait aucune arrestation, pas aucune indication claire qui fait. Nous pensons que pour l'unir, nous déjà condamné lui, nous condamné le monde, quel que soit mon lien, mais en même temps tout, nous dit que
pays a besoin de sécurité, il a besoin de monde qui a dignité et qui a sens de l'honneur qui peut diriger l'institution républicaine pour que nous suspendons paraître comme des monde qui n'est pas civilisé et qui a joué avec la vie monde et qui a joué avec la mort monde. Bah ouais, je vous dis, à la possibilité pour mettre des acteurs, je sais pas, calmement pour qu'on dialogue, bien que profondément, nous convaincus dans l'Union que le pays a besoin d'organiser un dialogue pour le capable de sortir dans différentes crises qu'il y a, oui, crise essentiellement politique entre les acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir, quel que soit temps, doit mon dialogue qui est organisé, doit mon vrai dialogue qui est organisé, mais il faut qu'il est organisé de manière à ce qu'il porte des solutions durables à une crise que le pays a traversé depuis trop longtemps. Nous avons une crise d'instabilité qui empêche les progrès économiques qui fait dans le pays. Nous avons une crise d'instabilité politique qui empêche que il y ait la paix dans le pays. Il y ait une sécurité dans le pays. Il y ait bien-être général dans le pays. Vont vivre ensemble. Donc ça m'a dit effectivement que nous citons entre nous-mêmes haïtiens, nous regarder comment le problème ça va être capable de faire face à eux-mêmes. Parce que la catastrophe qui vient là, qui va retirer mon premier ministre, donc là, qui va résoudre la catastrophe, ça, sont catastrophes qui doivent adresser de manière collective dans l'esprit de ça nous réunir, l'union fait la force et que ça unit à prêcher tout le temps l'union dans l'intégrité et pour la réconciliation nationale. Donc oui, le dialogue peut être un moteur de l'histoire, pour me répéter. Le dialogue est un élément fondamental de la politique et de la démocratie, mais il faut trouver le bon tempo pour organiser le dialogue avec tous et pour donner des résultats comme durables. Nous avons des déclarations pour le leader Union, Clarence Renoir, qui a porté précision sur ce taux causé Premier ministre qui a parlé dans le pays. C'est Manana, Zile Lagunava, autorisé pour tout un voyage au fait dans Port Cabotage, ville en Sagalé, matin lundi 5 juillet 2021, dans Zile Lagunava, après concert au Finfait, que c'est clon non, définitivement à point direction Cuba, eh bien, la mer calme, monde capable de prendre un petit canot, quitter Zile Lagunava pour entrer dans le département l'ouest dans la zone Caries. Porte-parole l'organisation Bataille ouvrier dans le département Nord dans l'Est, Emmanuel Langer doit li bien long sous pays États-Unis qui t'a gagné trempé sous insécurité qui va cependant augmenter dans le pays spécialement dans la capitale là. Plus d'états à cause pendant nous Jacques Geoffroy depuis département Nord pays. Porte-voix organisation Bataille ouvrier dans nos pays dans l'Est Emmanuel accusé pays les États-Unis comme quoi l'État doit être trempé bien fond dans vague insécurité captaille banda en Haïti depuis un bon bout de temps. Syndicaliste là pas mettre de la bouche de tout pour critiquer pouvoir place là qui d'après lui marre saucisse ak bandi cap simé la terre dans pays a. Dallas Emmanuel. Tout le monde voit le gaz là qui gagne, constat tout le monde fait. Il voit c'est parce que et zone pour carrefour, toute zone ça a bloqué, entre sud la bloqué. Ça veut dire monde pas capable passer, gang a fait la loi. Qu'on y a été capable de dire c'est chef de gang, c'est yo qui chef police, c'est yo premier ministre. C'est au tout bagay, l'ordre qui est passé, c'est de qui fait, ben, c'est un anarchiste, ça, qui mène nous, je ne j'ai dit, qui cause que, ouais, insécurité, à a validé, la vie, mon vie, pas important, encore, dans le pays, parce que c'est aujourd'hui, où doit mon lever, sous, ouais, de mes idées, c'est gros chance. C'est comme ça, nous, gon, l'État, qui démissionné, avec complicité, international là qui c'est les États-Unis nous t'a capable dire qui cause ces bouleverses qui pour gagner dans pays là pour eux même plan que eux même gagner pour venir faire dans pays là c'est t'a capable pour une guerre civile qui pète dans pays là pour capable rentrer venir faire un autre bagarre même genre en 1915 encore pour capable occuper pays. Porte voix bataille ouvrière pour finir mandé communauté internationale là et spécialement pays américain bay Haïti en chance pour li ka gen stabilité pour petite terre ka vivre en paix et ka prospérer. Depuis Cap Haïtien Jean-Claude Geoffroy Radio Pyramide FM. Claude Dessaline ancien propriétaire niché
qui habitué vendre produits cosmétiques dans rue Liberté hein, qui pas trop loin mémorial là mouri après le te fin senti yon tête fait mal d'après information que joine yo. Ça passé hier dimanche matin 4 juillet 2021 Claude mouri dans l'hôpital La Providence pendant le al ouest il était besoin de soins mais personne ne pas connaît exactement qui ça qui était la cause l'an mosi là. Yon ti avion qui est sorti Port-au-Prince qui t'a prêlé dans le département sud-est pays à vendredi n'a fait accident dans la localité Beau Séjour dans la commune Léogane. 6 moun t'a pédé la vie parmi yo 2 pilotes qui t'a de Dominicain. Gouvernement accordé des charges à tout ancien premier ministre ensemble avec un ministre dans une décision qui fait après conseil des ministres hier soir dans le palais national. Premier ministre qui t'a sorti depuis l'année 1991 à 2017, yo, kounye la ta gen avis favorable, cour supérieure des comptes t'a mis dehors pour eux-mêmes. Yon policier 28e promotion sauvé de justice dans une attaque qui fait sur les croix des bouquets côté le recevoir balle dans pied li mais il est blessé gravement yon nan bandi yo nan échange coup d'armes qui t'est gagné. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tendre des nouvelles informations. En tout cas tout le monde merci parce que nous t'est branché, pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.